que de travail. Je me dévoue sans compter pour la République. Non seulement il faut rédiger des rapports inutiles, il faut recevoir aussi des visiteurs qui vous font perdre le temps. Sans les visiteuses parfumées et agréables à regarder, ce serait pénible. Enfin, ma journée s'achève. Elle est bien remplie. Et pourtant, je dois encore présider une réunion syndicale tout à l'heure. Sans oublier ma partie de belote avec Léonard arrosé de bière. Et mon concours de boules, je dois m'entraîner. J'y pense. Mademoiselle Virginie. Elle n'est pas là. Mademoiselle Virginie. Me voici, patron. Vous avez fini enfin de taper ce rapport. Vous ne savez pas que le ministre attend. Il est long de 15 pages. Et voici à peine 2 heures que je l'ai pris en sténographie. Comment? Comment? Je n'aime pas les paresseuses et les raisonneurs. Ce n'est pas parce que vous m'avez rendu hommage avec une simple bouteille de whisky que vous êtes dispensé du travail. Voyons le début. Voyons le début. Monsieur le ministre, dans le but d'agrandir les locaux de notre service qui s'est amplifié, depuis quelque temps, nous avons eu l'honneur de vous adresser un ci-devant rapport pour plaider le bien fondé de notre requête respectueuse. Bon début. Quand je le disais, je ne me doutais pas que ce fût bien tourné. Mais, mademoiselle, ne savez-vous pas qu'agrandir s'écrit avec 2G comme agglomération, aggravée? Je ne vais pas perdre mon temps à enseigner l'orthographe à une bachelière. Excusez-moi, monsieur, mais agrandir s'écrit avec 1G. Vous osez encore me tenir tête? Savez-vous ce qu'on appelle la rousse, la petite ou le grand? Le dictionnaire? Ah, au moins vous le savez. En notre temps, on ne passe pas le baccalauréat. Mais l'orthographe et la grammaire, nous les connaissions par cœur. Le dictionnaire Larousse me donnera raison. Nous pourrons vérifier tout de suite. Je vais apporter. Ne bougez pas. Un patron ne saurait avoir tort. N'aggravez pas votre situation par une attitude d'insubordination et d'insolence caractérisée. Suce, continue. Approchez, mademoiselle. Approchez. Approchez. Qui aime bien châtier, bien. Approchez. Bas les pattes! Je ne suis pas celle que vous croyez. Eh bien, mademoiselle, quelle façon de dégoût. Je vous fais l'honneur de vous encourager à mieux travailler. Vous vous comportez ainsi, vous me décevez profondément. Prenez l'exemple sur Nathalie, sur sa docilité. Elle marche à l'œil. Monsieur Chadas, j'accepte de faire tout le travail que vous voudrez bien me confier. Mais je ne m'abaisserai jamais au rang d'une gougandine. Si vous osez encore me toucher comme vous venez de le faire, j'en conclurai que vous n'avez point de respect pour vous-même. Et je vous insulterai ou vous giflerai. Je tiens à mon honneur. Quel honneur? Qu'appelez-vous honneur?
Vous n'irez nulle part avec ça, malgré votre diplôme. Si vous continuez ainsi, je vous assure, vous feriez mieux d'imiter Nathalie avec son certificat d'études primaires. Elle est au top, vous feriez mieux de l'imiter. Apparemment, ce ne sont pas ses qualités professionnelles qui vous la font estimer à ce point. Ne soyez pas grossier et pas déçu, le marché. Ah non, on ne saurait pas fouer la hiérarchie impunément. Tant pis. Vous saurez chercher ce que vous avez. Me voici, patron. Non, pas vous. Ok, mais j'ai pourtant entendu deux coups sonner. Trois coups pour ma secrétaire particulière. Merci, patron. Nathalie, prenez à la stélo ce qui suit. Ça y est, patron. Vite, à monsieur le ministre des Affaires prolétariennes, ultra confidentiel et urgent. Mademoiselle Virginie Obami, coupable d'insubordination, d'injures graves à l'autorité hiérarchique, s'étant révélée d'une incompétence notoire dans la dactylographie d'un rapport élémentaire que nous lui avions confié. Il s'ensuit que nous la jugeons inapte au travail malgré son diplôme de secrétariat délivré à Paris. En conséquence, nous la mettons à votre disposition. Nathalie, que se passe-t-il? Vous allez tomber, monsieur. Nathalie, vous perdez la main. Ces moyens scénographiques sont plutôt limités. Ne m'injurez pas, espèce d'incapable. J'applaudis vos éminentes capacités. Et là, du calme, mesdemoiselles. Patron, mon patron. Un message téléphonique du ministre. Je viens juste de l'enregistrer. Tenez vite. Vous pouvez disposer, vous autres. Mademoiselle Virginie, en attendant la confirmation du ministre, vous pouvez vous considérer comme chassée de mon service. Hé, revenez tous. Voilà du nouveau. Écoutez. Le ministre des diplômes et de la qualification professionnelle, en raison de l'encombrement excessif du cadre subalterne, décide que tous les dactylographes et agents bureaux de fonction passent un examen la date de leur, quelle que soit la date de leur engagement, dans un meilleur délai. Tous les dactylos incapables de taper 30 mots à la minute et de stélographier 100 mots dans le même temps seront sans appel et sans formalité révoquée. Hein? Quelle histoire! Vous avez compris? Voilà qui mettra les choses au clair. La Providence approuve mes décisions. Vive la République juste et égalitaire. On verra ce qu'on verra. Disposez. Signifie ce message, une plaisanterie. Ce que tu as compris, Nathalie, un examen bienvenu, que... juste, équitable. Que deviendrai-je, moi? Eh bien, tu passeras ton examen comme tout le monde et tu réussiras dans ton genre. Tu es une élite. Vous ce que je réussirai? Pourquoi pas?
Avez-vous jamais entendu qu'une de mes protégées ait échoué à un examen ou à un concours? Non, j'ai confiance. L'appui d'un homme bien placé est plus profitable qu'un crédit. Est-ce que vous verrez le ministre ou bien les examinateurs? Laisse-moi te dire, douterais-tu de moi? J'ai les bras longs et je sais m'en servir. Je veux attirer votre attention sur le cas de Virginie. Vu son incapacité, son échec n'étonnera personne. Comme sur moi, ma chère, les poulets pousseront des dents avant qu'elles le réussissent. J'en étais sûr. À demain, Fabien. Bye bye. Moi? Et de quoi donc? Est-ce vrai? J'ai réussi? Bien sûr, le patron me l'a dit. Et toi? Moi aussi, je suis admise première par ordre de mérite. Formidable! Mille félicitations! Que faites-vous? Cela suffit, Jack. Que de baiser pour se féliciter simplement. Excuse-moi, Virginie, si je profite de l'occasion. Quand j'étais embrassée, je n'ai pas eu le courage de m'en arrêter. Et le patron, il t'a aussi félicité comme moi? Il ne m'a pas embrassée, rassure-toi. Je lui ai mis les points sur les i et craché ce que je pensais de lui. Tu as osé? Décidément, tu es formidable. Il faut que je t'embrasse pour ton courage. Ce n'est pas nécessaire. Je me contente de tes paroles. Vois-tu que spontanément aujourd'hui, mademoiselle Virginie, nous avons commencé de nous tutoyer? Ah, c'est vrai. Pardonnez-moi. Bien au contraire, c'était bon signe. Je t'en prie, continuons de la sorte. Soit. Je ne trouve pas l'inconvénient. Nous sommes camarades de bureau. Et cela paraît normal. Mais autre chose, je suis affectée à la présidence de la République. Pour y faire quoi? Travailler dans le cabinet du président. Ah, moi qui croyais. Ah, hélas. Oh, quelle tête fais-tu soudain? Tu ne te sens pas bien? Excuse-moi, Virginie, je suis vraiment bouleversée. Depuis le jour où je t'ai vu pour la première fois, franchement, j'ai vécu dans une atmosphère de fête sans savoir pourquoi. Mais à la nouvelle de ton prochain départ, je sens en moi comme une déchirure. Et je comprends ce qui m'arrive. Virginie, crois-tu quand on aime une fille, on se sent si mal? Quoi? Tu aimes? Toi? Je ne sais quoi répondre à ta question. Je ne suis pas un homme, moi. D'ailleurs, je suis très bête. Je suis un brevetier, toi tu es une bachelier. Mon amour pour toi est sans espoir. Excuse-moi, Virginie, si je te parle de la sorte. Avec telle audace, toi qui es si éloignée de moi en diplôme. Oh, Jack. Pourquoi dresser chaque fois la barrière des diplômes? Me crois-tu sensible à ces ridicules préjugés? Ah bon? Tu as cette donc? Hé là, ne va pas si vite en besogne. Tu ne sais même pas si moi je t'aime. Tu poses la question. Parce que tu doutes de toi, mais tu doutes de moi. Il y a quelque chose qui te bouleverse.
ça que je te conseille d'avouer ton amour. Tu me donnes le vertige. D'ailleurs, comment sommes-nous arrivés là? Enfin, à vrai dire, moi-même j'ai de la sympathie pour toi. Ah, quelle bonne parole! Redis-la, je t'en supplie. Oui, Jack, tu es très sympathique. Mais, que nous arrive-t-il? Assez parlé. Nous sommes au service. Nous continuerons après. Quelqu'un vient. Non, personne ne vient. Ah, Virginie de mon cœur. Insaisissable comme la fumée, glissante comme un papillon, belle comme un train. Quand pourrais-je donc lui déclarer mon amour? Ah, mon cœur va s'éclater. Assieds-toi, Nathalie. Rien d'officiel. Pour le moment, j'ai reçu des informations officieuses, pas de nature satisfaisante. Je ne veux pas dire que tu as échoué. Mais ces nouvelles me laissent perplexe. J'ai pensé à une erreur. La prestation ou des transcriptions de la part du secrétaire du ministère. Oui, il y a eu des omissions. Je sais seulement avec certitude que Virginie a réussi. Virginie, vous avez appris mon échec. Et vous m'avez dit. Et vous avez été à nous. Mais non, Nathalie. Mais non. J'arrangerai ça. Et enfin. Je peux pas. Donc c'est vrai. Vous m'avez trompé. Vous avez garanti le succès et promis de voir le ministre. Vous l'avez abusé, mais je t'aime beaucoup. Non, Nathalie, pas de là. Que t'arrive-t-il aujourd'hui? Pourquoi? Tu es habillée en paille, toi si élégante d'habitude. Oh, tu me contraries? Je ne vais pas être exprès. Exprès? Dans quelle intention? Depuis quelques temps déjà, à dessein, je portais une robe sacrée. J'attendais le moment propice pour vous annoncer une nouvelle très importante. À la bonne heure. Cela me réjouit profondément. J'ai obtenu un avancement professionnel. Et j'attendais que nous l'arrosions gentiment. Mais. De quoi voulais-tu me parler sur la porte de la campagne? Selon les gens, c'est heureux ou honteux. Mais il vaut mieux que tout le monde ne le sache pas très tôt. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Que des mystères. Parle vite. J'ai hâte de te féliciter. Dans ce cas, je suis heureuse de t'annoncer que j'attends une enfant. Quoi? Quoi? Tu attends un enfant. Quel enfant?
Je ne te savais pas mariée. Tu es mon fiancé. Tu devrais le savoir. Me fais-tu des confidences à ce propos? Assez de plaisanterie. Qui est le père de cet enfant? Tu ne devrais pas me poser cette question. Projette-toi d'attendre un enfant de plus. Tu veux plaisanter? J'ai déjà une quinzaine d'enfants. Avec trois femmes, c'est plus tard. Mais... c'est la surprise. Tu tombes sur un plan. Tu veux gâter la joie de ma promotion? Je ne te crois pas. Rien n'assombrira l'éclat de ce beau jour. Un triste jour plutôt. Et qui m'ouvre les yeux. Tu as tout exigé et tout obtenu de moi. Et maintenant, quand je t'annonce les conséquences de ton acte, tu changes de mine. Assez. Tu n'es plus un enfant à taille. Tu savais ce que tu faisais? Non, je n'en savais rien. Tu as abusé de ton influence de patron. Tu es responsable de tout ce qui m'arrive. Toi, un homme marié, un polygame. Moi, responsable, tu as raison. Quand on invite un tantal, on ne doit pas se faire du bruit. Ainsi, on doit supporter les conséquences de sa conduite. J'ai été assez patient. Si tu ne veux pas changer de comportement, je ne garantis pas ton métier dans mon service. N'est-ce pas? Que je change mon comportement. Rassure-toi d'ailleurs, j'ai échoué à mon examen et je n'ai plus d'illusions sur tes recommandations précieuses. Tu penses me brimer sans crainte parce que je suis orpheline de père. Mais les faibles savent aussi se défendre quand on les pousse au désespoir. Je tuerai partout ton infamie et tu trembleras aussi, tout puissant patron. Tout le monde est au courant de notre liaison depuis plus d'un an et tu ne pourras pas le nier. Oui, tu trembleras. Tais-toi et cesse de proférer des menaces inconsistantes entre la parole de ta mère et la mienne. Qui osera hésiter? D'ailleurs, cela suffit. Sors vite de mon bureau, imprudent. Sans quoi, je vais me fâcher. Je ne sortirai pas sans que tu me dises ce que je deviendrai. Ne m'oblige pas à te décider. Sors gentiment et laisse-y en toi. Je ne ferai rien. Après m'avoir bafoué, jette-moi maintenant à la rue. Ceci te ressemble très fort. Alors? Je ne bougerai même pas d'une semaine. Lève-toi et sors de mon bureau. Sors de mon bureau. Debout. Debout. Nathalie. Pas de comédie. Nathalie. Ça devient sérieux. Debout. Je ne peux quand même pas demander d'aide. Et si quelqu'un la voyait et voulait partir dans mon bureau? Que faire? Son état de grossesse qui doit être la cause de cet incident. Donc elle dit vrai. Une grossesse. Ma grossesse. J'avais un cours. Que vais-je devenir? Comment gérer cette situation? Nathalie. Yeah.
pas une sœur, c'est une mère qui aime. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui aime. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme, une maîtresse qui espère.